Et bonjour, bonsoir, peu importe à l'heure où vous regardez cette VOD, c'est Diablax, on continue donc le let's play de Amical Fugitive. Pour ceux qui sont sur le live, bah j'enchaîne tout simplement hein, la suite de la partie d'avant. Donc, on s'était arrêté après avoir fait une mission chez Dwayne et avant chez Anna. Donc Anna, en fait, c'est une voleuse et je pense qu'elle va nous proposer une mission de cambriolage. Par la suite, donc on s'est arrêté ici, voilà, on va mettre un petit peu baladé, fait quelques conneries. Et je voulais aussi revendre le tableau là. Tac, inventaire, carte. Donc là, le revendeur de tableau, je pense que c'est dans les musées, non? Est-ce que je peux revendre le tableau? Je vois là, au niveau de la légende, ça, prêteur sur gage. Marchand d'art. Ah, marchand d'art. Est-ce qu'on en a un sur l'île? Oui, là. Il est juste derrière. Hop, c'est le pinceau. Est-ce qu'on peut refourguer le tableau sans se faire emmerder? Bonjour les flics. Donc c'est ici, marchand d'armes. Ok. D'art, pas d'armes. Et ça, on peut le refourguer. Ah, par contre, c'est chiant parce qu'on peut pas savoir le prix que ça coûte, quoi. Fait 2 kilos. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, je sais pas, italien, j'ai pas fait LV2 d'italien, je suis espagnol. Je suis Chester Robert Wickskill, okay. Amoureux des beaux-arts et des choses européennes prétentieuses. 500$, hein. Tableau. Ah! 1 sur 20. Donc, les tableaux font partie des collectibles. Les tableaux font partie des collectibles, il faut les refourguer. Ok. Là j'ai gagné 3 points. Moi j'ai 3 points de compétences, 3 000$. On va essayer de fourguer ça sur quelque chose assez intéressant et utile. Réduire le prix des sprintés. Ouais, je pense que j'ai augmenté le sprint hein, quand même. Hein. Que je suis plus souvent à pied qu'en véhicule. Pour l'instant. Casser ça. Est-ce que je peux le prendre? Attends. Merde. Il fait que parfait, merde. Au-dessus, j'en ai un à foutre. Bon, ça commence bien. Ça commence bien cet épisode, hein. Ça commence très bien. J'ai fait de la merde. Donc la dépanneuse c'est pas mal, ça permet de t'enlever les distributeurs de billets aussi. Les emplacements. Tu payes là-dessus. Bon, 500$ quand même le tableau, c'est pas mal. Je pense qu'il va falloir que j'aille faire un petit tour au niveau des maisons des environs là. Ça sent pognon. Et en plus on a des points de compétences gratuits. Donc on va pas se gêner. Donc là par exemple là c'est la banque. Hop là, qu'est-ce que je vais faire? Là, je suis 2 jours. Merde. Crame. Bon, je fais pas mal de conneries là pour l'instant. Les conneries, 3 étoiles, je crois que c'est 6 le max, hein. Le 6 c'est la marée. 6 étoiles, il y a l'armée. On va chez Anna ou chez Dwayne là? Est-ce que je vais chez Anna ou chez Dwayne pour la prochaine mission? Donc le A ou le D? Bon, je pense que j'aurais plutôt aller chez le D pour l'instant. Essayer de s'échapper des flics, toujours 3 étoiles. Donc pour s'échapper des flics, c'est simple, hein. Soit on sait pas trop opérer, les étoiles diminuent, soit on change de vêtements. Et on passe pour un inconnu. Et pour ce qui est des vêtements, c'est soit on chope ce qui est attaché, soit il faut trouver une boutique. Bon, ben ça va, il me reste plus qu'une étoile, ça va être tranquille. On va arrêter de me faire chier les keufs. Ah, le train qui arrive, éviter de me faire choper.
fauché par le train quand même. Je suis sur les rails tranquille PPR. Attention, hop. Je crois que le train on peut faire quelque chose avec. Hein. Il y a peut-être mission pour le détourner, je crois. J'imagine, hein, je ne sais pas du tout. Mais ça serait bien qu'on puisse avoir une interaction avec le train quand même. Bon. Il faut fil. Donc la casse, hop. On va aller voir Dwayne. Ah, j'ai pas checké en dessous là. Ça se trouve au limite du terrain, parce que là c'est la limite de la map, hein, on est d'accord. Après ouais, ici. On peut pas y aller. Hein. Canyon. Ça va sûrement avoir des trucs secrets. Hein. Ah, mission de pistolet. Enfin, il y a pistolet, ok. Il y a un flingue. Parce que les emplacements des objets aussi, je crois qu'ils sont pas. Ils sont fixes, hein. Il me semble qu'on peut trouver toujours le même objet au même endroit. J'ai pas encore vérifié cette théorie, mais à mon avis, ça doit être ça. Hein. Genre là, derrière, il y aura toujours un pied de biche. En gros. Non, démonte-le. Démonte-le. J'ai toujours pas accès à cet endroit là. Utiliser les clés, j'ai toujours pas les clés. Bon, je pense qu'il va progresser dans le jeu hein, pour débloquer des clés, obtenir les clés de certains lieux. Alors, lui est toujours avec les McCoy. Hein. Voilà, c'est Dwayne, c'est McCoy. Je sais pas ce qu'il nous aura fait, mais il a fond sur eux. Hein. Voilà le truc, les McCoy blanchissent leur pognon avec un distributeur trafiqué. J'ai besoin que tu coupes cet approvisionnement. Bon, c'était un petit peu ce que j'étais en train de faire avec la banque là. Et ouais, ça s'est mal passé. Ouais, je sais, c'est. Encore les McCoy, t'es obsédé, bah tiens, qu'est-ce que je disais. Ouais, il faut passer à autre chose maintenant. Et si tu examinais la voiture pour moi, et si tu m'aidais plutôt. Ils ont volé mes affaires, celles que tout le monde, ils font du profit sur mon dos. Et tu veux que je passe à autre chose? Je dis qu'il faut renverser la vapeur. Faire en sorte que les McCoy meurent de faim pour une fois. C'est la dernière fois, ok, j'ai des choses plus importantes à faire que de couvrir après tes fantômes. Il suffit, trois petits points, de déposer leur distributeur automatique dans la grange quand t'auras fini. J'ai un contrat, un contact qui va les... J'ai du mal, hein. J'ai un contact qui va le planquer quelques jours. Ok, le distributeur, ok. Donc, 5000$, 500$ et un point de compétence... Donc avec la dépanneuse, c'était ce que je voulais faire avec la banque là, mais c'est mal passé. Bon, ici il faut savoir aussi qu'il y a un cycle jour-nuit hein, sur le jeu. C'est plus audacieux, je pense que c'est plus logique de le faire de nuit, mais là, bon, on va pas non plus attendre 107 ans. On va y aller deux jours. Hop. Alors, il y en a deux là. On indique deux. Un flic, hein, je me méfie. La station de service là avec. Essence. Hop, je remorque. Bien, ça de la physique. Quand on roule sur une voiture basse, ben on roule par-dessus. Ouais. Logique. Les flics, par contre, ouais, ils sont pas contents. Je peux pas faire grand-chose. Toujours la même grange. Hein. C'est la même grange où on a mis la. Ah. J'échappe aux flics. Bon. Que je vais faire, je pense, c'est ça et je vais me barrer. Ah, je peux pas prendre les vêtements du. L'épouvantail.
shooter. J'ai 5 étoiles. 5 étoiles, c'est la S, c'est la merde. Oui, hop, nice, j'ai perdu des étoiles. Bon, c'est toujours la même peinture, mais j'ai plus les flics. Bon, je vais chercher l'autre distributeur. Je sais pas s'il en faut un ou deux, donc dans le doute, hein, je vais aller chercher les deux. Mais si, mais je me suis échappé là, c'est bon. Oui, bonjour. Ah, mais putain, m'ont retrouvé en fait, ok. J'ai repeint la véhicule, mais je me suis pas changé, donc forcément, logique. Le flic a eu un doute, il m'a foncé dedans. Et quand je suis sorti, forcément, il a vu que j'étais le même personnage qui avait chouré le distributeur, donc logique, ok. Logique, logique. Ah, concession automobile. Nico arrive. Ah merde. Fuck, Nico. Je crois qu'on peut pas nager hein. Enfin, si un peu mais c'est lent ouais. On perd de la. Genre là je peux nager. Si j'arrive à zéro avec le cercle là, je me noie. Forcément l'écho il va pas me lâcher. Ces mecs ils en profitent pour cacher. De l'argent. Cachette trouvée. Ah, il me semblait bien, donc ouais. Avec la pelle, là, creuser des trucs, ça me permettra de. Ça. Ouais, sourire, santé, parce qu'il y a faim, là. Donc il y a bien des cachettes, des. Enfin, des objets récupérés. 2 sur 100, donc là je suis niveau 10, niveau 6 là. Niveau 6, je vais me planquer au niveau 5, je vais rester là pour l'instant, caché dans les fougères. On a plus de visuel là. Que l'indice de recherche descende. Trois étoiles. Bon, c'est bon. À partir de 2-3, ça sera nickel. Bon, il me faut une bagnole. I need a car. Ah, ah. Ouais. C'est pas le meilleur véhicule, hein. En plus, c'est un gars qui est assis. Bon.
Ah mais faut juste un distributeur, parce qu'il y en a plein partout en fait. De là. Bon mais c'est bon, j'allais récupérer la dépanneuse tout près de la grange. La mission là. Va être un succès normalement. Ah, les panneaux, c'est parti. Sur une dépanneuse. Oui, bah, la dépanneuse, elle est... il y a le truc, mais il n'y a pas la dépanneuse. Bon, faut choisir une dépanneuse. Tac. Il n'y a pas un garage là au-dessus. Ouais. Bon, après, je suis équidistant avec celle-là. De Dwayne. Ah oh, mais c'est la merde. Il y a une sculpture là-dedans là. On peut pas les récupérer. Je peux pas rentrer là-dedans. Ah et du coup ouais, vu que c'est de nouveau le jour, ça a des pop. Je vais chercher un autre sculpteur. Ah merde. Bon travail Will, faut attaquer les McCoy là où ça fait mal. À leur portefeuille, 500$ et un point de compétence supplémentaire. Bon, j'ai galéré, hein. Galéré, mais j'ai réussi quand même. Au bout du compte, bon, on va continuer avec Dwayne, hein, c'est juste à côté. Anna, bah, on fera au prochain épisode, donc demain, pour ceux qui suivent le live. Alors... Des nouvelles voitures Dwayne, donc oui la fameuse Buzard là, tout début du jeu, qu'on a mis dans la grange. J'ai besoin de plus de temps petit, je vais te trouver une piste, je t'ai donné ma power. Je n'ai plus beaucoup de temps mec. Tu m'as mis sur cette piste et j'en t'en serai toujours reconnaissant. Et peut-être que je dois continuer le chemin tout seul, ok? T'as fait de ton mieux, concentre-toi sur toi-même, on va dire ça, ouais. Concentre-toi sur toi-même. Tu es mon frère et parle-moi de ta pitié, Will. Je t'ai appris cette vie. Tout ce que tu sais, c'est grâce à moi. Je ne veux pas laisser les choses comme ça. Je m'inquiète pour toi. Pas seulement pour ton argent, mais aussi pour ta tête. La façon dont tu agis. Je n'ai pas besoin que tu me fasses la morale. J'ai d'autres options, d'accord? Comme aujourd'hui. J'ai eu des nouvelles d'un fournisseur qui dit qu'il peut me vendre des pièces à bas prix. Je peux enfin mettre mes comptes en ordre et... Tout est plan, Dwayne. Ils sont toujours trop beaux pour être vrais. Je dois être réaliste pour une fois. Alors pourquoi tu ne le vois pas par toi-même, Will? Va à la réunion, je te suis. Réunion. Ah, la réunion du fournisseur, ok. À cheval. Ouais, il fournit quand même sa pompe. Ok.
gagne un spa. Bon, par contre, en termes d'inventaire, là, je commence à être assez chargé. Parce que fusil à pompe plus fusil à carabine, le pompe il fait. J'ai quand même 3 kilos 6, hein, comme le fusil. Je crois pas que ce soit les mêmes balles en plus. Bon, je vais me débarrasser un peu de tout ça là. Bouffer la nourriture là. Hop. Ça va faire un peu de place dans l'inventaire. Même si la nourriture, je pense pas que ça. Ouais, ça a quand même un certain poids, mais pas non plus. Ah, c'est le whisky aussi. Lâcher le whisky, tiens. Ça sert pas à grand chose. Bon, j'ai un kit de soins. La corde est lourde, hein, aussi 3 kilos. C'est là. T'as pu, hein. Chambre de motel. Bon. Timing parfait, je viens d'arriver. Aucun signe du fournisseur par contre. Ouais. Oh merde, je sors, Will! Dwayne, qu'est-ce que. Bouge! Je te retrouve chez moi, c'est une embuscade. Voyez-moi ça, les gars. Dites-le pote de Dwayne, le condamné à 2 balles qui nous a causé tous des problèmes. Tu vois ça, papa? Ah putain, il a survécu, le mec, ok. Il a jeté un coup d'œil, il a tourné les talons. Il est plus lâche que je ne le pensais, je suppose qu'il n'y a que toi alors, Billy Boy. J'adorerais rester bavardé, mais. Non, ne pars pas, mes garçons veulent faire connaissance. Fuck. Fontaine et McCoy, ok. Pas compliqué. Je vais le donner. Succès déverrouillé. Bon. Ok, Will, je peux t'expliquer. Ouais, c'est une embuscade. Hein. Bon, là, je les ai tous fumés. Forcément, j'ai les flics au cul. Juste ranger le gun quand même. Hein. Bon, j'ai quand même récupéré un AK-47. Hein. Ça va au change. T-shirt, voilà. Hop. Là, du coup je suis incognito, pas eu l'indice de recherche. Bon, j'ai laissé quelques plumes quand même, hein. On va manger le donuts là, hop. Reste des œufs et le kit de soins. Le kit de soins, je préfère le conserver pour l'instant. Essayer de trouver d'autres trucs à bouffer, même si je suis full life. Pour les prochaines missions, j'ai l'impression que là on va passer un cap tout. On va se faire flinguer assez facilement. Après, j'ai 3 points de compétences, 4000$. Pardon. Pour le tout. Pour le tout, tout. Pied de biche, regardez.
cette place. Hop, j'ai chopé une bague. Bon, il me faut une pelle aussi là, j'ai toujours pas retrouvé de pelle parce qu'il y a plein d'endroits où il faut creuser pour, j'imagine, trouver des trésors. Des cachettes avec du pognon. Pour ça, il me faut une pelle là. Bon, allez, j'enchaîne avec la troisième mission. Je suis un fou, tu m'as laissé tomber. Écoute, je. Laisse tomber, vieux. Ton gros coup a failli me faire tuer, je n'ai plus besoin de ça. Bon sang, je n'ai plus besoin de toi maintenant. Laisse-moi t'expliquer. On a fini ici. Allez hop, je rage quitte. Je me range sur cette dépanneuse. Et qui est vénère, c'est totalement RP là. Il m'a trahi. Je pensais qu'il voulait m'aider. Voilà, hop, plus de dépanneuse. Et du coup, lui, il est pas là forcément, vu que je l'ai déjà utilisé. Par contre, c'est pas une autre bagnole dans le coin là. Tout ça, c'est des carcasses. Qu'est-ce que ça fout là ça? Ah oui, c'est la voiture qui vient d'exploser. Voilà, pick-up. Freeze, y'a rien dedans. Y'a rien. Ah, par contre, y'a pas mal de. Okay. La pelle, la sainte pelle. La sainte pelle, du scotch. Je pense ça aussi. D'accord, je les laisse parce que c'est quand même assez lourd. Ça, c'est pas mal, ça, si on veut faire des bracos. Rien ici. Parce que je me méfie quand même. Bord de la zone comme ça. Généralement. Quand on est level designer, on peut peut-être mettre des choses. Level design. Bon, de toute façon, on a fini là. Hein. C'est bientôt la fin de cet épisode. Je fouille un petit peu les recoins là. La recherche de trésor. Maintenant, j'ai une pelle. Une sainte pelle. C'est quoi ça? Cachette, tiens. Hop! Et à chaque cachette, en plus, on gagne un point de compétence. Hein. C'est fou ça. Et le pognon qu'il y a dedans. Donc c'est pas mal. On va essayer d'aller chercher un petit peu tous les recoins là. Bon, c'est bien, c'est indiqué en surveillance normalement les coins. Faut creuser. Par contre, là, impossible que je passe le fleuve à la nage. De toute façon, le pont est toujours fermé. De toute façon, ouais, j'imagine qu'il faut que je progresse dans les missions hein, principales pour débloquer la suite de la map. Après ça se trouve ça sera pas le sud, ça sera peut-être l'est. Hein. Il y a toujours un barrage. C'est un champignon. Les champis. C'est quoi ? 10 dollars, ok. C'est vrai qu'il y a des fois il y a de l'argent au sol, on sait pas trop ce que ça fout là. Moi je récup. Hein. Je récup. Une brique, une pierre, ouais. Sur le clic. Quoi, j'ai juste, juste approché quoi. Voilà la voiture de flic, ça m'intéressait. Oh là là, ils sont susceptibles hein, les flics. Hein. Qu'est-ce qu'ils sont susceptibles? Ouais, je pense que ces véhicules-là, à mon avis, si on le déplace, peut-être un truc de dessous. Pour ça, faut la dépanneuse. De l'eau, on va prendre l'eau hein.
Agua, Agua. Un bar, c'est pour juste acheter la boisson, j'imagine. Boutique. Yep. Je peux le braquer, mais il y a des flics autour donc non. Piche, ok. C'est vrai que j'ai pas trop pris le temps d'explorer un peu la zone. Toute la map. Ils sont furieux les joueurs, enfin les IA aussi hein. Tu écrases le flic. Ouais. Par exemple de défaut le jeu quand même hein. Il est très bien mais il y a quand même quelques trucs qui... Il devrait être patché quand même. Ohé matelot, ohé ohé, ah il nous vend qui est. Le planaire c'est en fait c'est tout ce qui est la quincaillerie en fait hein. Bras énergétique, une pelle, torche crochet, à 32$ quand même hein. Ok. Je le vois qu'avec quoi avec ça tiens. Prêta effrayé. Arrêter les flics. Vous avez été vaincu. Ah merde. J'ai encore été perdu. Merde. Je me barre. Je suis fail. C'est un marin, donc oui, les cordages, tout ça, il doit connaître, donc forcément. S'il est battu. Je me suis fait avoir. Bon. Allez, je vais essayer de m'échapper des flics là. Et je pense qu'on clôturera cet épisode. Qui fut quand même fort. Bah, j'ai quand même pas mal progressé, 3 missions. Malheureusement, on s'est infrité avec Dwayne. Donc j'ai pas l'impression que pour l'instant on va faire d'autres missions avec lui. Mais on a après les missions d'Anna. Et quelque chose me dit qu'on est plus très loin de passer à la prochaine ville. Cette zone là, on pourrait faire tout ce qu'il fallait en termes de mission. Après, il reste les défis, bien sûr, mais bon, ça, je les ferai de temps en temps. Sinon, j'imagine qu'on pourra toujours revenir à cette île. Hein. Les missions ne sont pas cantonnées à chaque lieu, j'imagine quand même. Ils n'ont pas fait ça, les développeurs. Donc là, ouais, inconsciemment, je suis quand même retourné ici. Donc bon, il y a toujours ce véhicule stationné là. Donc, ça, c'est un point. L'important c'est qu'elle voit toujours une bagnole ici. Un pied de biche. Ok. Je vais chercher s'il n'y a pas une autre cachette. Hein. Je pense qu'il y aura forcément quelque part. Bah, notamment les trésors là, les trucs qu'il faut que je creuse là. Il y en a un dans le coin, je crois. Pas trop loin de chez Anna. Justement. Justement. Je m'interre, creuser, hop. Et de l'argent. Cette pelle ne pas traîner. Je sais pas pourquoi, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette pelle. À part les mettre dans les bennes.
casse tout. Regarde dedans. Juste. Truc destructible quoi. Quand même prenant le jeu. Pas envie de stopper encore. Bon, on va éviter de. Ouais. J'ai pas envie de refaire la même chose, la même connerie. Hein. On va éviter le pont. On va pas trop s'approcher. Je pense qu'il y a un. Derrière le conteneur, je sais pas. Je pense qu'il y a un truc qui va creuser ici. Ça sent la cachette quand même. Non? Pas là, non. Au-dessus. C'est vrai qu'il y a une clé ici. Après, j'imagine que dans certaines cachettes, on va peut-être trouver une clé. Hein. Peut-être. Pas uniquement de l'argent. Ouais, c'est enfin, si des cachettes, c'est que c'est bien caché quoi. Compliqué à trouver. J'ai pas l'impression que ce soit en bordure d'une zone hein, qu'on va trouver des trucs. Hein. Champignons sauvages, ouais. Non, je crois pas que ce soit au niveau des bordures de zone qu'on va trouver. Ah, quoi que. Un canton là. Bon, pas envie de sauter non plus. Charge quand même. Bon, c'est un tas d'ordures. Un gros tas d'ordures. Ok.
Ouais, donc les cachets, c'est les paquets de jetards. Hein. 5 sur 100. Peut-être que tous les 10 cachets trouvés ont débloqué un bonus. Peut-être, peut-être. En tout cas, de plus en plus surpris par ce jeu. Très agréable. Ah ok, donc là okay. C'est le lieu des camions de poubelle, la fameuse décharge hein. Quand même mise en entour si jamais il n'y a pas d'autres cachettes. Apparemment ouais, les cachettes quand même sont pas tellement si bien cachées que ça en fait hein. C'est juste des tas de terre, gros tas de débris. Ah, mission de fusil, ok. J'ai pas trop regardé là, je pense pas que ouais, au niveau de la ligne de chemin de fer il y a quelque chose à en tirer. On finit de faire le tour de la map et après je vais m'arrêter là pour cet épisode qui commence à être un peu long. J'attends d'avoir au moins 8 points de compétence pour pouvoir me prendre le... Ah non, c'est DB. C'est DB, DB, DB sauvage. J'ai l'impression que ouais, vraiment c'est plus obvious que ça les cachettes. Et on sait qu'au moins au moins de zone à chaque fois il y a soit des baies, soit une pierre. Ok, bon. Bon, bon, bon. Ah. Là, je pense qu'il y a un trésor. Nice. La limite du truc. Après, le fait de creuser, j'ai pas l'impression que ça détruit ma pelle. Hein. Fameuse prison. On peut carrément sauter par dessus. À l'intérieur même. Ok. Prison qui est vide hein. Y a personne dedans. Ops. Ah, le vert c'est les militaires, ok, c'est. Ouais. Ah, mais c'est carrément la base militaire en fait, c'est pas vraiment la prison. Carrément la base militaire. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Tiens, tiens, tiens.
Pistolet, ouais. Je sens que cet endroit, ça va être une quête, hein. Ouais, 100% ça va être une mission ici. Ouais, une mission ici, je pense. C'est tellement... Ah, entrée par effraction. Toujours, je peux pas. Être un endroit pour une mission. 8% c'est un endroit pour une mission. Je me suis un petit peu spoil, mais c'est pas grave. Au moins je saurai ce qu'il y a dans ce lieu. Bon, et eh bien mes petits amis, je vais stopper là. Je vais stopper là pour aujourd'hui. Voilà, je me mets ici. Tac. Je me mets là. Moi je vous dis à la prochaine, c'était Diablax. Pour ce qui est de du live, bah, on va continuer avec GTA 2 dans une petite minute. Petite pause. Je reviens dans 10 minutes. A tout de suite, c'était Diablax. Ciao. Hop, je quitte le jeu. Calément. Petite pause et je reviens dans 10 minutes. A tout de suite.